une amitié de plus de 20 ans. À la fin des années 90, la carrière de Garou prend son envol grâce à son interprétation de Quasimodo dans la célèbre comédie musicale, Notre-Dame de Paris. Lors d'une représentation, une invitée très spéciale est présente dans le public, Céline Dion. Conquise par la prestation de Garou, elle décide de parler de lui à son mari, René Angélil. Le producteur contactera ensuite le chanteur avec lequel il travaillera pendant plus de 8 ans. Une collaboration sur laquelle Garou était revenu dans les colonnes du Parisien. Il a bouleversé, transformé ma carrière. Au Canada, c'était le patron. Son regard sur notre passion commune pour la musique était très important. Il prenait toujours ses décisions en pensant au public, avait-il confié. Au moment de la mort de René Angélil, décédé le 14 janvier 2016 des suites d'un cancer de la gorge, Garou avait choisi de publier un tweet pour rendre hommage à l'époux de la diva canadienne. Même quand on sait que ça va arriver, ça fait beaucoup de peine. Merci René pour ces grands moments. Tu es rare, tu restes encore mon patron. Mes sincères sympathies à toi Céline et à toute l'équipe de cœur, de grand cœur. René nous lègue les plus belles valeurs, avait-il écrit. Garou, on avait une complicité unique mais au fil du temps, Garou et Céline Dion se sont éloignés, après avoir partagé de très beaux moments personnels et professionnels, notamment leur inoubliable duo de Sous le Vent, qui était également une idée de René. Invité dans l'émission En aparté ce mercredi 13 avril, l'artiste à la voix rauque s'est confié sur son amitié avec Céline Dion. On était très proche avec Céline, je pense qu'elle n'a pas compris quand j'ai coupé les ponts avec eux, a-t-il reconnu, avant d'ajouter, quand on se retrouve si est magique parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans nos yeux parce qu'il y a eu toute cette complicité, une véritable connexion. On avait une complicité unique. Garou, conscient d'avoir sa responsabilité dans cet éloignement, a indiqué avoir l'impression d'avoir trahi quelque chose. En même temps, je sais qu'elle comprend que je reste un animal sauvage, a-t-il conclu. Loading Widget.